Bonsoir. Je voudrais me rassurer que vous m'écoutez très bien, s'il vous plaît. Bonsoir, est-ce que vous m'écoutez? Ok. Mais j'ai l'impression que ça grisaille. Je vais essayer d'arranger le son. Excusez-moi, j'essaie d'arranger le son. Je vais essayer d'arranger le son. Donnez-moi une seconde et j'arrange rapidement le son, s'il vous plaît. Périphérique audio. Excusez-moi, j'essaie d'arranger le son. Bon, est-ce que là c'est bon? 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 Ok, là c'est bon. Donc, je serai rapide. Je ne vais pas perdre trop de temps. Je vais voir si ça donne bien. Ok, donc c'est bon. Donc je suis content que vous soyez connectés ce soir. Je vais rapidement faire ce live. Je ne voulais pas faire de live concernant cette affaire ce soir, avant le live de demain, où vous aurez le grand frère de Sami Conrad. Mais après, je me suis rendu compte que son live risque de prendre beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, donc c'est important que je mette déjà les choses en ordre avant qu'il ne fasse son live demain. Vous avez vu que tout à l'heure, ça fait quelques heures, j'ai publié sur ma page des captures d'écran des différents envois que j'ai faits à Conrad et à Felicia avec l'argent du Leti que vous avez bien cotisé pour ceux qui ont cotisé. Je vais vous dire que à la base, c'est pas comme ça que ça devait se faire. C'est pas comme ça normalement que ça devait se faire. Mais j'ai été un peu gêné lorsque au début du mois d'octobre, vers le 4, oui, vers le 3 ou le 4, j'ai commencé à entendre auprès des personnes que moi j'ai mangé l'argent du litige de Samy. Ça m'a fait tellement mal au point où j'ai presque craqué. Et je me suis dit, bon, ok, c'est mieux que je retire cet argent. Je vais déjà vous rappeler une première chose, c'est que en date du... En date... Excusez-moi, je m'en vais sur mes dans mes documents pour avoir toutes les bonnes informations. Ok. Ok, en date du... Non, c'est pas celui-ci. Ça doit être lui.
Ok, c'est ça ici. En date du 17 juillet 2023, j'avais retiré 2 jours avant l'argent sur TapTap, sur le Leti, parce que on avait fait un Leti et ce Leti avait donné 1019 euros. Et quand 1019 ou 18 euros, quand ils m'ont envoyé l'argent, la structure, Leti m'a envoyé l'argent, ils m'ont envoyé 1015 euros. Donc, avec les frais de gestion et autres, je ne sais plus trop. Donc, ce jour-là, j'avais donc envoyé 1013 euros à Conrad. Vous pouvez aller sur ma page. J'avais publié la transaction. Et vous étiez très content. Donc, ça, c'était le Leti. Et cet argent, c'était l'argent qui devait servir à l'autopsie. Donc, demain, vous aurez les détails. C'est Conrad qui va vous dire ce qu'il en est par rapport à ça. Et après, j'ai eu une dame qui s'appelle Sylvie Yonke, qui m'a dit, mais le laitier est compliqué, ce n'est pas facile que les gens envoient l'argent là. Pourtant, il y a une autre plateforme qui s'appelle Tu mets combien, que je ne connaissais pas. Ou même au Cameroun, les gens peuvent vous cotiser par SMS et autres, par Orange Money et autres. Je suis donc allé sur cette plateforme et j'ai ouvert cette plateforme et les gens ont commencé à cotiser. Et cette plateforme avait donné, vous pouvez aller sur vous pouvez aller sur le lien, vous mettez Tu mets combien, justice pour Samy et autres. Cette plateforme avait donné approximativement 2700 euros. Les gens ont cotisé. Et je n'ai pas touché à cet argent. Par contre, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais envoyé à Conrad de mes propres poches, deux fois l'argent de mes propres poches. C'était je cherche la transaction. Le 4, non, avant septembre, avant le 4 septembre, je l'ai d'avoir envoyé l'argent en août. Voilà, c'est ça ici, je pense. Dans le 22 août 2023, j'ai envoyé à Conrad de mes propres poches, c'est-à-dire ce n'était pas l'argent de Tu mets combien. J'ai envoyé parce que j'ai dit, comme c'est une urgence au Cameroun, j'envoie. Je vais retirer l'argent de Tu mets combien, je vais récupérer mon argent tranquillement. Donc, je lui avais envoyé 305 euros, donc 307 euros avec les 2 euros de la transaction. Et il avait bel et bien reçu, c'était le 22 août 2023. Tout ce que je dis, j'ai dans ma publication précédente, il faut aller sur ma page. Vous allez voir tous ces reçus. Je vais les poster tout de suite aussi dans ce live. Je lui ai envoyé 305 euros, donc 307 euros avec les frais. Et ensuite, je lui avais envoyé ça s'appelle comment? En septembre, le 4 septembre 2023, je lui ai envoyé 232 euros, toujours de mes poches. Parce que il y avait toujours une urgence. Il va vous expliquer tout ça demain. Ce n'est pas loin. Vous saurez et tout. Ce n'est pas à moi de vous expliquer. Donc, ça fait donc quoi? Ça fait que quand j'ai commencé à avoir beaucoup de messages où on dit que j'ai bouffé l'argent de Samy, ça m'a tellement fait mal. C'est pour cela que le 8 octobre, dans la nuit du 8 octobre, étant très mal parce que les gens racontaient n'importe quoi sur moi, j'ai pris la résolution d'aller demander à la structure, tu mets combien, de me transférer cet argent pour que je quitte derrière les problèmes et que j'envoie l'argent à Conrad et à Félicia, tranquille, et je quitte derrière les problèmes.
Donc, je vais vous mettre un document sur la toile. Ce document est déjà sur ma page. Donc, quand vous allez finir cela, allez encore sur ma page, mais je mets ça encore en live et je vais vous mettre les autres documents. Regardez. Je ne sais pas si vous lisez bien. Je vais voir si vous lisez bien avec moi. Donc, vous voyez que c'est écrit que vous avez demandé à valider. Cliquez sur ce lien pour valider votre adresse email. C'était le 8 octobre 2023 à 5h14. Parce que j'avais même pas dormi. Donc, je commence par là pour que vous compreniez. Maintenant, je vais prendre un autre document. Regardez bien ce document. Je ne sais pas si il est lisible. Vous arrivez à le voir, s'il vous plaît. Est-ce que vous arrivez à lire? Parce que si vous n'arrivez pas à lire, ça va déranger. Est-ce que vous arrivez à lire? Est-ce que vous arrivez à lire la famille? Je ne sais pas si vous arrivez à lire. Confirmez-moi que vous arrivez à lire, s'il vous plaît. OK. Donc, j'avais donc demandé à Tu mets combien, le support TMC, de valider mon adresse email afin que je procède à la demande de cet argent. Donc, c'était le 8 octobre. C'est important que vous reteniez les dates et que vous compreniez ce que je vais vous expliquer, ce que je vous explique. C'est très important. Donc, après la validation, si je vous mets maintenant une nouvelle capture d'écran. Vous allez la voir. Permettez, comme c'est. Je pense ça comme ça. Tac. J'ajoute un autre document. J'ajoute ça dans l'eau. La famille, je souhaite que vous m'écoutez attentivement. C'est très important parce que il faut qu'on soit en phase. Donc, j'ajoute maintenant ce document-ci. Tac. Je passe d'abord ça paramètre. Supprimer. Je prends l'autre. J'espère que ça ne sera pas le même fichier image. J'espère que c'est celui-ci ici. C'est pas lui. Supprimer. Moi, je maîtrise pas trop certaines choses et donc vous allez supporter. Fichier image. On prend le deuxième. Donc celui-ci. C'est non. Supprimer. Ici. Et celui-ci. Donc, je crois que j'ai téléchargé la même capture deux fois. En tout cas. Donc, j'avais demandé, donc, le 8 octobre, je vais aller sur mes messages. J'ai demandé le 8 octobre 2023 qu'on m'envoie cet argent dans mon compte. Et j'ai reçu donc le message de Tu mets combien? Ils m'ont dit à 5h20. Parce qu'à 5h14, j'ai validé l'adresse. Et à 5h20, j'ai reçu le message où ils me disent, votre demande de transfert pour un montant de 2605,40 2605,40 € pour la cagnotte justice pour Samy a été bien enregistrée. Vous recevrez un email de confirmation dès que celui-ci aura été effectué. C'était le 8. Et le 10, j'ai reçu un message pour me dire que mon virement a été effectué et qu'il sera disponible dans les 3 ou 4 jours. C'est très important ce que je vous dis. Écoutez bien. Donc, quand j'ai reçu donc
l'argent, le 14 ou le 15, je ne me rappelle plus bien, dans mon compte, j'ai décidé d'envoyer cet argent directement à Conrad et à Felicia. Je ne sais pas si vous m'écoutez. Donc, j'ai décidé d'envoyer cet argent directement à Conrad et à Felicia. C'est ainsi que j'ai envoyé à Conrad. C'était quand? Je cherche la date. Le 14 octobre 2023. Je lui ai envoyé 500 euros. Pourquoi je lui ai envoyé l'argent 500 euros? Parce que la transaction, je l'ai reçue 4 jours après, comme ils m'ont dit. Et je lui ai envoyé 500 euros. Pourquoi? Parce que quand j'essaye de lui envoyer tout cet argent, je n'arrive pas. Parce que voilà, j'ai mon compte, je gère les trucs dans mon compte et j'ai un montant que je ne peux pas retirer ou que je ne peux pas envoyer. Donc je lui ai envoyé et je lui ai expliqué ça. Donc, et j'ai attendu et je lui ai dit, tu attends quelques jours, je t'envoie le reste de l'argent. Donc, c'est une preuve que Conrad n'a pas mangé un argent. Et je lui ai envoyé 500 euros. Ensuite, j'ai envoyé à Felicia via son frère, son oncle, pardon, Honoré Junior Marcel Mbimbe. Je lui ai envoyé le... C'était quand ça? Je cherche la date, excusez-moi. Le 20 octobre, toujours 2023, je lui ai envoyé 500 euros. Donc, j'ai reçu l'argent de tu mets combien? Les 10 dans mon compte. Les 10 octobre. Ceux qui vivent en France, ceux qui vivent en Europe, savent que, n'est-ce pas, quand tu as une carte bancaire, tu as parfois des limites de sortie. Et puis, ma carte bancaire, j'ai mon argent dont je peux aussi payer mon loyer. Quand j'ai déjà payé peut-être mon loyer que je paye à 1000 euros, n'est-ce pas? Je ne peux pas dépasser plus de 1500 euros la semaine avec ma carte. Donc, c'est pour ça que vous voyez qu'il y a des écarts de jours. C'est important parce que les gens vont raconter n'importe quoi. Donc, j'ai envoyé donc l'argent à Felicia le 20, 6 jours après. Les 500 euros que j'ai envoyés à Conrad, j'ai envoyé 500 euros à Felicia. Et j'ai envoyé à Conrad encore. Oh, je l'ai envoyé plusieurs fois d'ailleurs. Il y a une chose aussi qui est très importante qu'il faut que je vous dise, c'est que TapTapSend, parfois, tu fais des envois, ton argent, il cale avec ton argent parce que Conrad devait recevoir son argent depuis au moins 6 jours ou 7 jours. Mais TapTapSend, j'avais fait la demande, j'avais fait le transfert par TapTapSend. Ce n'est pas passé. Donc, le temps d'attendre que mon argent vienne, voilà ça. Je crois que j'ai même déjà publié ça. Donc, d'abord, le 19 octobre, j'avais envoyé à Felicia. Donc, c'est-à-dire 5 jours après, par TapTapSend, voilà, c'est ici là, 500 euros. Mais ce n'est pas passé. TapTapSend avait fait le même coup. Donc, j'ai récupéré l'argent, je suis allé lui envoyer via MoneyGram. Je ne pouvais plus envoyer par TapTapSend. Et c'est la même chose qui s'est passée il y a de cela 6 ou 7 jours où j'ai envoyé l'argent à Conrad par TapTapSend. Ce n'est pas passé. Donc, le temps que TapTapSend renvoie l'argent dans mon compte, ça a encore pris 4 ou 5 jours. Vous connaissez, les gens qui vivent en Europe le savent, n'est-ce pas? Et je suis allé, j'ai récupéré l'argent. Quand j'ai récupéré l'argent, je suis allé envoyer maintenant l'argent à Conrad, 1064 euros. Je lui ai envoyé son argent hier. Yeah. C'est 1064 euros. Et là, j'ai aussi envoyé par RIA parce qu'on ne pouvait pas faire par TapTapSend. Donc, j'ai fait 4 transactions par TapTapSend. Je vous les publie. Regardez-les. Et j'ai déjà publié sur ma page. Allez sur ma page, c'est très important. Je les publie encore. Fichier image. Téléchargement. Ah, c'est une des transactions que j'ai faites par TapTapSend.
Faites-moi rester ici là pour que vous voyez qu'on soit en phase. Dans cette transaction, c'est la transaction de Tap Tap Sen que j'ai faite à Conrad. Là voilà. Nom du Nom du bénéficiaire, bénéficiaire, Bindinfeug Conrad. Bindinfeug Conrad. 500 500 euros, euros, c'était c'était quand? Le le 14 14 octobre 2023. octobre Regardez, faites les 2023. captures d'écran. C'est très J'ai important. Et j'ai déjà publié déjà ça. publié ça. Je vais encore aller Je vais encore ajouter aller l'autre l'autre document. C'est document. C'est important. important. Fichier, Fichier, image. image. Je prends encore Je prends encore celle-ci. celle-ci. Je mets. Je mets. Même si vous ne me Même si voyez vous pas, ne me c'est pas voyez pas, grave. c'est Hein. pas Le grave. plus Le plus important, c'est important, les c'est les documents que documents je que je poste. poste. Voilà l'autre Voilà capture l'autre capture d'écran d'écran. du. Du. Aïe, 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 ma Du batterie, batterie pardon, était était un. un. Oh là là. Ok, c'est déjà rangé. Déjà Capture d'écran capture du. d'écran du. Excusez-moi, il chante. Excusez-moi, Est-ce que j'ai j'ai pas pas mis mis ma. ma. Le truc, c'est à la charge. Voilà. Voilà. Capture d'écran de Capture d'écran de l'envoi l'envoi à à Bindi Feug Bindi Conrad Feug de Conrad de 232 euros. 232 euros. Cet envoi, je Cet l'avais envoi, je fait l'avais le fait le 4 septembre 2023 4 septembre 2023 à 11h36. 11h36. Je vous manque une Je autre vous capture manque une d'écran. autre capture Faut qu'on soit en d'écran. phase. Celle-ci. Viens avec. Et même si vous ne me voyez pas, Même ne si vous vous ne me voyez pas, inquiétez ne vous pas. C'est inquiétez pas. pas. Le plus important, ce n'est Plus pas important, moi. ce n'est pas moi. Cette capture Cette d'écran capture d'écran du du de de 1015 euros 1015 quand je lui euros avais quand je lui envoyé avais son envoyé argent le son argent le 17 juillet 2023. 17 juillet 2023. C'est ça la C'est capture ça la d'écran. capture d'écran. Et je vous envoie Et la je vous envoie dernière la capture dernière d'écran capture de d'écran Tap de Tap Tap Sen Tap Sen ajoutée à la ajoutée à la source. source. Fichier Fichier image. image. Voilà. Donc voilà les quatre transactions que j'ai faites à Conrad via Tap Tap Sen. Et celle-ci, c'est la transaction du 22 août 2023. Je lui ai envoyé 307 euros. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que la cagnotte totale, c'est-à-dire l'ETI et tu mets combien, je précise bien l'ETI et tu mets combien, a donné Donné 3 620 3 620 euros au total. euros. Comme j'avais envoyé mon argent Mon de mes propres poches à Conrad, 232 euros et 300, 232 euros, oui, et 307 euros, j'ai récupéré mon argent que je lui avais envoyé au, quand l'argent de la cagnotte est tombé dans mon compte. J'ai récupéré mon argent parce que c'était mon argent. Donc, et je lui ai envoyé le reste. Ça, c'est Tap Tap Sen. Maintenant, j'espère que vous ayez fait les captures d'écran. Mais je vous dis aussi que tout ça, c'est aussi sur ma page. Il faut aller sur ma page. Il faut aller sur ma page. Donc, après ça, je vous poste maintenant les envois RIA et Monogram. Donc, j'efface ça. Supprimer. J'efface à supprimer. J'efface à supprimer. Ah, mais c'est même mieux que souvent comme ça, au lieu de partir sur deux scènes. C'est mieux. On apprend tous les jours. Fichier, image. Je viens là. Je repose l'envoi. Ça, c'est l'envoi de qui on va regarder ensemble. L'envoi de Monogram. Pardon. L'envoi de Monogram fait à Bindi Conrad hier. Yeah. Voilà cet envoi. Faites la capture d'écran. C'est très important. Et tout ça, tous ces documents sont déjà sur ma page. Donc après mon live, allez sur le poste d'avant, le live, vous allez voir. Donc je l'ai fait 1064 euros avec les frais. Une fois, c'est ce que je devais. Voilà ça que je l'ai fait hier.
Donc, comment on dit qu'il a mangé l'argent là? Je ne connais pas. Voilà ça. Donc, faites la capture d'écran. Ça, c'est Conrad. Et la dernière capture, je vais supprimer ça. J'ajoute, je mets maintenant l'envoi de Felicia. Ça, c'est l'envoi à Felicia. Qu'elle a bel et bien reçu. Comme elle a un problème de carte, j'ai envoyé via son oncle qui était dans la vidéo, la première vidéo qu'elle avait faite. Honoré Junior Marcel Mbimbe. Voilà ça. 500 euros que je lui ai envoyé le 20 octobre. Donc, voilà, ça fait les captures d'écran. Donc, j'ai tenu donc à faire ce live. Parce que demain, ça va barder. Conrad sera en direct sur ma page et sera en vidéo. Ça ne sera plus en audio. Il sera en vidéo sur ma page. Il va vous donner sa communication et il va répondre à toutes vos questions. Je voulais dire que tout ce qui est en train d'arriver là, je ne sais pas pourquoi les gens cherchent les problèmes pour rien. Moi, je recherche la justice pour Samy et rien ne va plus m'embrouiller et je ne veux plus être dans les micmacs. Quand vous avez cotisé pour deux choses. Parce que les gens m'ont dit que, mais pourquoi tu n'as pas envoyé l'argent depuis? Vous aviez cotisé pour deux choses, la famille. Vous aviez cotisé pour trois choses. La première chose, c'était pour les, comment vous appelez, pour l'autopsie, pour faire l'autopsie de Samy. C'est ce que vous avez fait. C'est ce que nous avons fait parce que moi-même, j'ai cotisé. Nous avons cotisé la première fois pour l'autopsie. C'est ça qui avait donné 1019 euros. Et dans les 1019 euros là, j'ai envoyé 1015 euros, ou c'est, je ne sais plus trop, à Conrad, avec les frais. C'est ce que j'avais fait. Et n'oubliez pas, c'est une parenthèse, que moi j'avais donné mon argent pour récupérer la vidéo. J'ai dit que je ne prends pas cet argent, je ne récupère pas cet argent parce qu'on va dire que donc mieux. C'est aussi ma participation pour aider aux enquêtes. L'autre argent là. Donc, on avait cotisé donc ensemble la première fois pour l'autopsie. La deuxième fois qu'on cotise dans la plateforme Tu mets con. On cotise pourquoi? On cotise pour les obsèques de Samy et la famille. Pourquoi vous êtes comme ça? On avait cotisé pour les obsèques de Samy. Et après, j'ai intégré qu'il faut qu'il y ait un peu d'argent qu'on va donner à Felicia par rapport à Sonia dans cette cotisation. C'est donc pour ça que moi, sachant par exemple que Felicia, là, elle est là, elle a pu payer l'école parce qu'il y a quand même Junior Zogo qui a eu une cotisation qui lui a envoyé. Il y a des personnes qui ont envoyé de l'argent à Felicia via moi. Des personnes lui ont envoyé de l'argent. Des personnes lui ont offert des choses via moi. Je savais que pour l'école de l'enfant, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, elle-même m'avait dit ça. Elle ne se dérangeait même pas pour l'école de l'enfant. Et je savais que non. Quand on va dire que les obsèques de Samy, c'est telle date, tant, je fais moi la demande d'argent. J'envoie à Conrad pour les obsèques et j'envoie à Felicia pour gérer Sonia. C'est comme ça que j'avais, parce qu'elle avait dit que je ne veux pas entendre que les gens, que l'argent qu'on avait donné a servi à quoi? N'est-ce pas? C'était pour les obsèques. Après, pourquoi vous n'avez pas utilisé ça pour les obsèques? C'est donc la raison pour laquelle, lorsque moi, déjà, moi, j'ai donné 507 euros, environ 507 8 euros à Conrad. Et cet argent-là, ce n'est pas à moi de vous le dire, mais ça a servi, par exemple, pour les avocats. Et demain, vous allez avoir les noms des avocats. Et vous allez vous rendre compte qu'on est très fort. Parce qu'on a des très, très bons avocats. Vous ne savez même pas. On va vous donner les noms demain. Vous allez voir. Donc, cet argent qu'il avait envoyé à Conrad l'a aidé
pour les trucs administratifs. Il va expliquer, ce n'est pas à moi d'expliquer. Donc, maintenant, j'ai dit que moi, je ne veux pas les problèmes. Dès qu'on va organiser les obsèques, je vais donner l'argent de Samy. Mais quand j'ai vu qu'on m'insultait Diakro Papa à cet argent, j'ai donc demandé à combien le 8 octobre de m'envoyer cet argent. Et je me suis lavé les mains. J'ai donné cet argent. Que personne ne vienne me demander un joker. One Love, l'argent là c'était pour les obsèques. Pourquoi il n'y a pas? Je ne connais plus. Je ne suis plus là-dedans. Parce que j'ai envoyé l'argent à Felicia, j'ai envoyé l'argent à Conrad. Maintenant, si j'ai ça, comme ils veulent et tout, s'ils veulent faire ça pour les obsèques ou pas, ou pour d'autres choses, ça ne me concerne plus. Moi, j'ai voulu être dans la droiture par rapport à ce qu'on s'était entendu. Vous m'avez dit que j'ai bouffé l'argent, je suis sorti sur ça. Donc, peuple camerounais, je ne fais pas ce live pour me dédouaner de quelque chose, parce que je me reproche de rien. Je ne fais pas non plus ce live pour me vanter, parce que ce n'est pas mon argent, et parce que ce n'est pas le combat de Samy, la recherche de la justice de Samy, pour Samy, ce n'est pas un truc de vantardise. Je fais ce live juste pour dire aux gens que lorsqu'on ne connaissait pas quelqu'un, ne l'accusez pas pour rien. Ne racontez pas les bobards sur quelqu'un. Vous ne me connaissez pas. Vous ne savez pas combien je touche par mois. Je ne suis pas à ça près moi. Je ne suis pas à 3000. Ce n'était même pas 3000, c'était 2600 euros près. Ce n'était même pas 2600 euros, c'était 2100 euros. Vous avez compris, parce que j'avais donné mon argent. Et si je voulais m'aller plus loin, j'allais dire que c'était même 1960 euros. Si j'enlevais mon argent de... que j'ai donné pour le vide. Donc je ne suis pas à 2000 euros près, moi. Parce que j'avais déjà donné 500 euros avant. Vous avez compris la famille. Maintenant, s'il y a des gens qui ont des doutes par rapport aux documents que j'ai mis sur la toile, ces documents sont sur la toile, avec les numéros de référence. Que ce soit Monogram, que ce soit RIA, que ce soit TapTapSend. Je vous en supplie, la famille. C'est comme ça que je vous parle toujours. Je vous en supplie, la famille. Si vous avez des doutes, vous avez les numéros de référence. Vous tapez TAP numéro de TapTapSend en France. Vous appelez le numéro de TapTapSend. Et vous avez entre vos mains, n'est-ce pas, les captures d'écran des envois de TapTapSend. Vous prenez ça, la famille, je vous en supplie. Vous les appelez, vous les dites, allô, bonjour. On voudrait savoir si ce jour, telle date, monsieur Etogo a fait un envoi à monsieur Conrad Bindi du montant de tel. Voilà la référence, s'il vous plaît. Ils vont vous donner. Ils vont vous donner cette référence. S'ils ne vous donnent pas, lundi, comme ils ne sont pouvaient samedi et dimanche, lundi, je vais les appeler devant vous ou mardi. Faites ça lundi ou mardi et puis mercredi, je les appelle devant vous. Je fais un live pour les appeler. Vous avez compris. Vous faites aussi la même chose avec RIA et Monogram. Vous leur posez la question. Maintenant, concernant l'argent qui a été cotisé, c'est ouvert. Vous avez le site. Tu mets combien? Je vais vous mettre même les liens. Et comment ça? Vous partez voir combien les cagnots t'ont donné. Et vous faites le calcul de la cagnotte de laitier, la cagnotte de tu mets combien? Et ça va faire 3600 euros. Et vous, quand vous avez pris ça, n'est-ce pas? Vous prenez l'argent que j'ai, donc les montants que j'ai affichés là, qui sont sur les capteurs de camp. Vous calculez, prenez le temps de calculer si ça va pas être 3600 euros. Sans compter les autres agents que j'ai envoyés à Conrad via les oranges monnaies que les gens ont parlé. Donc, demain, ça va barrer. Demain, vous allez voir le visage
le vrai visage des personnes. S'il y a des gens qui sont là pour continuer dans la manipulation, c'est que moi je n'ai pas la force, je n'ai même pas le temps en réalité d'être dans la manipulation et d'aider les gens à faire la manipulation. Comme les gens n'ont pas de sujet pour leur page, ils attendent seulement que j'ouvre ma bouche pour avoir des sujets. Et je leur dis, continuez à avoir les sujets. Nous on avance, nous on recherche la vie. Inventez les choses. Sauf que, par exemple, vous avez dit au monde entier que moi, j'ai mangé l'argent de Samy. Avec Conrad. Vous avez dit ça. Pourtant, c'est quand vous avez dit ça que j'ai envoyé donc l'argent à Conrad. Et c'est même encore hier que j'ai envoyé le dernier argent. Vous avez compris? Ça veut dire que Conrad n'a pas mangé votre argent. Ça veut dire que moi, je n'ai pas mangé votre argent. Donc, vous avez dit que j'ai donc mangé l'argent. Je vous ai donc mis les preuves que l'argent là n'a pas été mangé par moi. L'argent là, je l'ai envoyé aux personnes pour lesquelles c'était destiné, c'est-à-dire Conrad et Félicia. Je leur ai envoyé l'argent. Maintenant, c'est à eux de venir vous expliquer ce qu'ils ont fait avec l'argent, c'est pas à moi. Moi, je vous ai déjà montré les preuves que j'ai envoyé cet argent. Si ils n'ont pas envoyé cet argent, que Conrad et Félicia viennent vous dire que One Love ne nous a pas envoyé l'argent là. Et là, vous allez dire que j'ai bouffé l'argent. Donc, vous avez dit que j'ai mangé l'argent. Je vous ai donné les preuves que je n'ai pas mangé l'argent. Maintenant, j'attends maintenant vos preuves, n'est-ce pas, d'autres accusations. Parce que vous m'accusez toujours pour des coups. Vous ne savez pas que moi-même, je peux me lever, moi, ça vous accuser pour rien. Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous n'êtes pas sérieux? Pourquoi vous êtes des menteurs, des manipulateurs? Pourquoi? Prenez en compte cela. Faites des sujets, insultez-moi. Mais la vérité, voilà une vérité que je vous ai dit. Et je sais que beaucoup de gens vont venir me demander pardon. Et je vais leur pardonner. Comme j'ai dit, comme maintenant, les gens savent que je n'ai pas mangé l'argent du lit. Voilà ça, voilà preuve. N'est-ce pas? Certains vont venir me demander pardon. D'autres auront honte. Mais ceux qui vont venir me demander pardon, je vais les excuser. N'est-ce pas? Parce que moi, je ne suis pas méchant. Je n'aime pas la manipulation, c'est tout. C'est tout. J'ai mangé l'argent du lit. Ça, c'est déjà un débat qui est clos. J'ai déjà une réponse. Maintenant, il y a des gens qui disent que j'aurais reçu des enveloppes. Pardon, venez avec les preuves. Comme là, vous m'accusez, non. N'est-ce pas? C'est sûr que vous avez vu peut-être comment me donner, montrer la photo. Ou alors, faites sortir un voice. Ou même un appel, un enregistrement. Pardon, c'est ça que j'attends. Parce que moi, j'ai tous les documents quand je parle. J'ai tous les éléments quand je parle. Et demain, les gens vont péter sur eux. 14 heures sur ma page. Je dis bien 14 heures sur ma page. Venez. Conrad sera en live. Appelez Conrad pendant le live. Posez-lui toutes les questions. Dites-lui tout ce que vous voulez avoir. Vous avez compris? Parce que Conrad est fort. Et Conrad est très très fort. Et je suis fier que Samy ait un grand frère comme moi. Et beaucoup de personnes vont comprendre beaucoup de choses demain. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Je dois aller travailler. J'ai pris ce temps parce que je ne voulais pas que demain on mélange les choses. Là, vous avez un élément. Vous pouvez discuter avec ça aujourd'hui et demain on continue. Je vous ai dit, si vous avez des doutes sur ce que j'ai dit, appelez Félicia. Demandez à Félicia, Félicia, One Love t'a envoyé l'argent. Oui ou non? Elle va vous dire oui. Donc, One Love n'a pas menti. Conrad, One Love t'a envoyé l'argent. Oui. One Love n'a pas menti. Sur ça, c'est déjà bon. Maintenant, les autres mensonges que certaines personnes et les autres manipulations là. Demain, on va vous montrer. On va vous déconstruire ça. Vous allez voir comment vous avez été manipulé.
vous allez me demander pardon. C'est tout. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur nous aide à aller dans la vérité et dans la justice pour Samuel. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que la mort de Samuel, le décès de Samuel n'est pas simple. Et ce que vous ne savez pas, et je vous le dis comme ça, en petite exclusivité comme ça, c'est que, est-ce que je dois le dire? Je ne le dis pas, c'est mieux demain. Demain, il y a beaucoup de choses qui seront dites. Restez calme. On est dans le bon combat, mais on recherche la justice pour ça, la vraie justice pour ça, dans la vérité. Allez, on est ensemble, la famille. Merci.